3 minutes pour vous parler d'un postiche que j'aime beaucoup. Alors, le postiche, il se présente comme ça. Là, vous avez les mèches de cheveux. J'ai vraiment tripoté, du coup, la mèche, elle a plus trop de forme. Ça se présente comme ça. Vous avez, je sais pas comment ça s'appelle, la tuile, on va dire. Et les deux crochets ici. Et une sorte de lacet ici qui vous permettra de faire ça. Purchase your tracks today. Première étape, faut plaquer ses cheveux et faire un petit chignon haut. Enfin, en fait, vous faites votre chignon par rapport à où vous voulez placer votre postiche en fait. J'ai brossé le postiche, j'ai mis 2-3 coups de ciseaux pour égaliser le tout. Donc là, vous voyez, je la mets sur mon chignon. Ici, vous avez le lacet, vous avez juste à serrer. Voilà. Ensuite, le lacet, bah, vous faites... Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut faire plusieurs coiffures avec un chignon haut, comme je l'ai fait, un chignon bas pour un entretien. Si vous prenez des postiches plus petites, vous pouvez faire 2 chignons. Ce rendu est super naturel. Plusieurs fois, je l'ai mise et on m'a demandé, est-ce que c'était vrai cheveux? Waouh, c'est trop beau et tout. C'est pas cher, bonne qualité, rapide à customiser, effet super naturel.